Coming down, see the shadows of my love, where all the monsters came. Salut à toi, c'est 77 Cabal et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 20 sur Watch 2. Alors, je tiens d'abord à préciser que je suis désolé pour le micro, c'est le micro de mon ordinateur. Du coup, il n'a pas une très bonne qualité, encore pire que l'autre d'avant. Et je suis davantage désolé car ça fait pas mal de temps que je n'ai pas sorti de vidéo, ça va certainement pas se voir dans le contenu, enfin dans la suite des vidéos, vu que je vais mettre toutes les unes après les autres. Et ça va peut-être se ressentir quand je jouerai. Voilà. Je sais que le dernier épisode, nous avions vu T-Bone. On avait essayé de choper son camion mexicain. Je me rappelle parce que j'ai vu les vidéos, etc. Et voilà. Donc on doit collaborer avec lui. Et là, on doit essayer de choper une empreinte, je crois, qui nous amène à toutes les informations qu'on a besoin pour emmerder Bloom. Alors voilà, petit jeu, je me suis posé ici parce que je trouve que c'est magnifique. On a une cascade derrière, des éoliennes, et puis on a surtout la belle vue de la ville, quoi. Donc voilà, c'est peut-être le plus bel endroit de la map. Donc on va aller faire la mission tout de suite qui s'appelle Paradis Parano. Wow, il y a des gens. Il me faut donc une autorisation de sécurité pour le QG de Bloom. Partout où je regarde, Bloom est impliqué. Ces types préparent quelque chose et je sens que ça va plus loin que le CTOS. J'espère que T-Bone sait ce qu'il fait. Ok, je suis en position. C'est quoi l'histoire avec les hélicoptères ? Attends un peu. Vas-y, suis-le. D'accord. Donc là, déjà, le temps que je vais jusqu'à ma voiture. Est-ce qu'il m'attend, moi ? Il a l'air de m'attendre un peu. C'est bon. Donc voilà, surtout la grande surprise, et encore une fois, ça ne se verra pas au montage, mais ça ne se verra pas au montage. C'est pas question de montage, c'est question que les épisodes viendront certainement avant celui-ci. Il y a un but à ce que je fais au moins. Bah ouais, je veux savoir où il va. Et en quoi c'est important ça? Parce que ça fait partie d'une routine. Le protocole de sécurité de Bloom change tous les jours, et tous les jours, cet hélico survole Pony avec des nouvelles instructions. Donc, en fait, il va nous mener directement au chef de la sécurité. Voilà, tu vois quand tu veux. Voilà, donc ce que je disais, c'est que... Voilà, alors là, je suis concentré, c'est un truc de dingue. Voilà. La conduite sur ce jeu est très... très chiante, je trouve. Enfin... chiant dans le sens difficile, pas chiant dans le sens je me fais chier. Et donc, donc j'ai eu officiellement l'édition collector d'Assassin's Creed Syndicate. Donc, comme je dis, ça se verra pas sans doute qu'il y aura des épisodes qui sortiront de celui-ci, mais j'ai envie d'en parler parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. À cœur, t'as compris le jeu de mots, hashtag très drôle. Voilà. Et voilà, j'ai pas encore testé le jeu, je voulais finir celui-ci avant, je sais pas si je vais craquer. Parce que je vous avoue que voilà, Assassin's Creed c'est ma passion. Même si Unity m'a pas tellement plus que ça. Enfin, il m'a plu, mais c'est pas non plus le meilleur. C'est loin d'être le meilleur. Déjà, c'est plus mauvais. Donc, l'un d'eux est le chef de la sécurité. Et il a accès à tout. J'en frémis d'impatience. Tu te rappelles des types qui protégeaient le camion? Eh ben, c'est les mêmes. La milice de Poli, c'est des survivalistes. Des mecs anti-gouvernement. Des gens comme moi, quoi.
Enfin bon, pour résumer, il déconne pas. Il tire d'abord et après il pose les questions. Utiliser le profiler depuis les airs afin d'éviter de nous faire repérer. Il est marrant là, comment il avait vu. Peut-être qu'il y a une caméra sur le. Ah oui. Alors, comme ça, l'un de vous est le nouveau chef de la sécurité. D'abord, on a des gens. Oh, ça rigole pas la vache. Ils déconnent zéro, les mecs. Celui-là a du potentiel. Qui d'autre? De toute façon, c'est pas compliqué, c'est ceux qui sont les plus. Où est-ce que tu te caches? C'est ceux qui sont les plus gardés, hein, simplement. Comment tu peux vivre dans un taudis pareil? C'est ce que je me dis. Oh. Sniper. Ouais, je suis sûr qu'il est pareil. Mais... ça y est. Ah. Je te tiens. J'en neutralise deux. D'accord. Ça peut pas être juste un club de tir. Il contrôle plus de la moitié du terrain. Ça te semble normal pour Pony? Y'a rien de normal à Pony. Quand Bloom a commencé à arroser la ville avec son fric, les choses sont parties en vrille. Ça déconne zéro. Je sais pas si. Ah oui, si. Oui, d'accord. J'allais dire, je sais pas si. Parce que. À un endroit ici, j'ai dû faire une enquête. C'était trouver un cadavre dans un camion. D'ailleurs, je les ai pas fait en vidéo, mais c'était hyper glauque. C'était hyper bien foutu. Il y avait 6-7 enquêtes, je crois, mais. Pff, wow. Ça déconne pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les dernières missions de ces enquêtes, je vais les faire par contre dans une vidéo. Parce que les dernières missions, c'est surtout des missions, je pense, je suis pas sûr, je les connais pas, mais qui en apprennent plus sur, sur les personnages, enfin sur le personnage surtout. Alors par contre, je sais plus c'est quoi la touche. Et merde, belle. Alors là, je suis mort, je vais me laisser me tuer parce que ça pue la merde. Là, je comprends pas pourquoi ils me disent éliminer les deux chefs. Alors que c'est juste, normalement, c'était juste les. Bon, attends, on va aller voir l'autre. Attends, parce que là, ils me mettent là et ça me perturbe. Moi là-bas, je veux pas être là, moi là-bas, je veux être là où j'étais tout à l'heure. Putain d'hélico. Tourne dos, toi. Ouais, oh, tu dors, on n'en parle plus. Ça, c'est bon. Allez, saute, hop. C'était caché. Je mettrais bien un petit brouillage. Est-ce que brouillage c'est blackout? Non, je pense pas. Je pense que blackout c'est blackout. Piquez-le!
Oh putain, la vache, c'est sérieux là, les voitures quand même direct. Putain, c'est sérieux là, la maniabilité de cette voiture. C'est un scandale. Mais du coup, il va être casse-couille. Il veut niquer. Hein. Rentre-lui dedans, vite! Attends, la route! Oh, regarde la route! On change de position. Vas-y, éprends-le! Oh là là, c'est une savonnette cette voiture, c'est un truc de dingue. J'ai un flingue blaireau. Alors que j'allais dire. Merde, je pensais que t'allais être barré, toi. Les coups qui disparaît comme ça, bim. Bon, soit c'est réglé, on n'en parle plus. C'est bon, on a accès au QG de Bloom. Oh, désolé d'avoir douté de toi. Parce que tu doutais de moi? Bah, je suis réaliste. Oh, va falloir venir ici à mon avis. Je suis en train de créer un virus qui va m'effacer leur système. Oh, je suis trop fort. Donc si je comprends, tu vas aller là. Il y a quoi comme sécurité? Ok, on va réduire leurs effectifs alors. Tu pourrais tracer leurs camions de livraison. Bien, intérêt. Envoie les itinéraires, on va aller les secouer. C'est galère de conduire avec un pneu en moins. Bon, on est obligé de se taper un camion tout pourri. Allez. C'est quoi ça? Ici la police, votre urgence, s'il vous plaît. Non, tu fais rien du tout, toi. Et alors? Allô? Vous êtes toujours là? Allô? C'est quoi ça? Bon, je vais prendre la tienne. Vas-y, sors de là. Non, c'est pas vrai. Mais t'es sérieux là? Appelez votre urgence, s'il vous plaît. Vite, envoyez la police! C'est très grave! Allô? Il faut que vous restiez en ligne. C'est bon, je vous connais pas. Je dirai rien. Voilà, ferme ta gueule. Bon maintenant, est-ce que je peux continuer ma mission ou est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui s'y oppose? C'est un peu plus facile à conduire celle-ci, je trouve. Merde, je sais pas s'il fallait que je monte ou que je descende. Non, si c'est. La police de Chicago vient de tourner un mandat d'arrêt contre le justicier Aiden Pierce. Mais les habitants de la ville ne se cachent plus pour lui témoigner. Force irrépressible. La milice de Pony est composée d'agents de sécurité freelance. En gros, s'ils font une connerie, ils perdent leurs clients. Si je leur fais faire des conneries, ils enverront plus d'hommes.
Et du coup, il y en aura moins au QG de Bloom. Voyons on voit le quai, oui. Par T-Bone. Ces types ont un itinéraire plutôt direct. Ça me laisse beaucoup d'occasions. On va reprendre la patinoire. C'est quoi ce truc sur la carte là? Ah, il est pas bien. Oh, c'est une patinoire, un truc. On va aller ici. On va attendre, même si je pense que ça fera rien. Dès qu'il n'y a pas de voiture en face. Ouais, c'est ça que je crois. Bon, ce qu'on va faire, c'est ça. Oh putain, c'est sérieux là? What? D'accord, ok. Bon, bon, on retourne au crâne, j'ai envie de te dire. Ah, j'ai envie de te dire. Bon, on redémarre. Voyons le parcours envoyé par T-Bone. Ces types ont un itinéraire plutôt direct. Ça me laisse beaucoup d'occasions. Non, j'aurais dit, ces types ont un itinéraire plutôt direct, ça me laisse pas beaucoup d'occasion, mais donc, si tu veux. Ouais, si tu le dis, c'est toi l'expert. Bon, voilà, je suis coincé dans une... On apprécie, obligé de reprendre la savonnette. Désolé. Ouais, d'accord. Bon, c'est tout. Ok. C'est quoi cette poisse que j'ai là? Un seul coup? On va faire l'ancienne. Ici la police, quelle est votre urgence? Je crois que j'ai entendu des coups de feu. Envoyez la police! Il a vieilli comme un tank. Non, non, c'est pas comme ça, c'est tout mal. Mais de mes. Mais qu'il est con! Vraiment très con! Bon, il me faudrait une moto quoi! Azo, comme c'est pas une moto, après je suis trop exposé donc je me fais exploser la gueule en deux secondes. Mais voilà quoi! Il me faudra un truc bien, tu vois. Et je vais descendre la patte au pire. Là, je me demande ce que c'est. Je sais pas du tout ce que ça peut être. Faudrait que je trouve un endroit où me foutre et puis que je les canarde. On va prendre ce van, j'espère qu'il est résistant. Allez, dégage. Grosse merde. Roulez-lui dessus! Ok, d'accord, bon, je suis mort en deux secondes. Non, pas. Ni d'Adam ni d'Eve, que dalle. Bim! Dans ta gueule. Les mecs ils sont dit toi ce soir tu rentres pas chez toi, non, non tu meurs toi ça. N'oublie pas de retaper la cinématique, ça c'est embêtant. Ces
Je m'en fous. Je m'en bats les couilles. Voilà. On va rester caché. Hop. L'autre, je le fous dans la merde ici. Chez moi tranquille. Je vais juste te passer. C'est sérieux là? L'autre, j'ai un camion, s'il te plaît. On va retourner chez Bloom, hein, encore une fois. C'est une bonne planque. Il abandonne le véhicule. Dépêche-toi. Pas de planqué. On prend les mêmes. On prend les mêmes, on recommence. Ta gueule. Voilà, je te blesse, je m'en bats les couilles. T'as qu'à pas appeler les flics. Je vais juste faire le check-in, vu que je suis ici. Oh, Bloom a pris un coup dans l'aile. C'est le moment d'agir. Bordel. Si seulement c'était connu à l'époque, on aurait fait des merveilles. T'inquiète, on pourra les faire à Chicago. Ça y est, ton virus est prêt? Plus ou moins. Plutôt plus, ou plutôt moins? Plutôt plus. Ça devrait marcher. Enfin, je crois. Attends, tu te fous de moi? Je vais me jeter dans la gueule du loup, là. Mais panique pas. Contente-toi d'atteindre leur serveur. Moi, je m'occupe du reste. Elle est belle, la légende vivante. Merci, Clara. La quoi? Merci, qui? Laisse tomber. Et voilà, les amis. Mais on va se laisser là. Juste descendre pour me remettre... Hop. Voilà. Bon, un peu. Voilà. Hop, les amis, on va se laisser là. Moi, je vous dis. Je te dis. Parce que maintenant, j'ai décidé que je vais te tutoyer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai décidé ça. Voilà. Je te dis à la prochaine. Moi, je vais m'empresser de faire la mission suivante. Pour pouvoir démarrer Assassin's Creed Syndicate le plus vite possible. Et je te dis à la prochaine. Encore une fois. Tu vois, on insiste, tu vois. Vas-y, je leur dis encore. À la prochaine. Ciao. Bye. Nous verrons Londres de Starik. Je vous donne ma parole. Et moi, mes rousses.